Bonjour, vous êtes sur Random Academy Pilot et c'est Nebal. À l'occasion de la vague 8, le 24 novembre dernier, les points d'escadron et emplacement d'amélioration ainsi que la légalité en hyperespace ont été ajustés pour toutes les factions et davantage qu'on ne pouvait s'y attendre. Ces mises à jour étaient après tout censées opérer normalement en janvier et juillet. On va faire toutes les factions, après l'Alliance Rebelle et l'Empire Galactique, on poursuit avec les racailles et scélérats. La faction des racailles et scélérats connaît plusieurs changements significatifs, non seulement en termes de coûts, mais aussi en termes d'emplacement d'amélioration. En ce qui concerne les petits socles, les chasseurs Fang en fournissent un bon exemple. Un seul des pilotes du châssis voit son coût évoluer, mais très drastiquement. Il s'agit de Joy Rakoff, qui coûte tout de même 5 points d'escadron de moins, passant à 47, ce qui le situe exactement au même niveau qu'un générique pilote de l'escadron Skull. C'est un phénomène qui se produit à plusieurs reprises dans cette mise à jour et qui avait peut-être été amorcé, mais de manière particulièrement maladroite sans doute, avec Héros de l'Espoir. Même si la capacité spéciale de Joy n'est pas des plus folles, on peut du coup préférer le prendre au cas où à la place d'un générique. Maintenant, en ce qui concerne les chasseurs Fang, le vrai changement est ailleurs. Tous les pilotes du châssis, à l'exception de la Sphenro, gagnent un emplacement de modification. Ce qui, gag, a pour conséquence que le Fang peut désormais s'équiper de la post-combustion, qui figurait bel et bien dans l'extension Chaser Fang, mais lui était inaccessible en format étendu comme en hyperespace. Mais d'autres améliorations sont envisageables ici. On a pas mal parlé, j'ai l'impression, du système d'occultation, pourtant pas une amélioration très prisée de manière générale, mais éventuellement redoutable sur un Fang. Et j'imagine que des choses moins funky groove dans leur fonctionnement, comme une banale coque améliorée ou des boucliers améliorés, pourraient tout à fait faire sens sur ce châssis agressif mais fragile, surtout tant qu'il n'est pas à portée 1. Fenro n'y aura pas droit, cela dit. Ça se justifie difficilement de manière fluffy que comme technique, mais personne sans doute n'a envie de rendre cet as déjà très efficace encore plus oppressif. D'autres petits socles connaissent des changements assez significatifs. C'est tout d'abord le cas du chasseur Kiraz, le X-Wing des racailles, entre guillemets, qui connaît encore une fois une diminution globale des coûts d'un point généralement, mais de 2 points pour le générique As du Soleil Noir et le nommé Talonbane Cobra. Ce châssis a généralement peiné depuis le lancement de la V2, mais on a pu en voir quelques-uns ici ou là plus récemment, notamment le capitaine Jostero, je suppose. Avec ses coûts toujours plus bas, il devient clairement plus intéressant. En masse, on peut jouer 5 maraudeurs du cartel, comme on peut jouer 5 escortes de l'escadron bleu et là aussi avec de la marge, un peu plus même, ou individuellement. Espérons donc que cela contribuera à le ramener sur les tapis de jeu. Notons aussi que les 3 pilotes nommés de chasseurs de tête Z95 AF4, Nashtapup non inclus, hein, coûtent eux aussi moins cher désormais. Bosk et Andrew Sulak coûtent 1 point de moins, passant respectivement à 28 et 29 points d'escadron, tandis que Kaatol et Atchos coûtent 2 points de moins, passant à 25. Le Z95 est à vue de nez un châssis où les génériques attirent davantage l'attention que les nommés, surtout si on les associe à un pilote améliorant les capacités des nuées, et nous verrons juste après 2 cas significatifs lors de cette mise à jour. Mais je crois qu'il y a au moins des arguments en faveur de Bosk, bon, on verra bien. Mais je parlais donc des pilotes idéalement accompagnés de nuées, or 2 chez les racailles et scélérats connaissent des diminutions de coûts. La plus frappante est sans doute celle qui s'applique à Dre Arental dans son Y-Wing BTLA-4. Elle coûte désormais 3 points de moins tout de même, passant à 46 points d'escadron. Alternativement, Serissu, pilote d'intercepteur M3A, coûte maintenant 1 point de moins à 40 points d'escadron. Ces diminutions sont notables et bienvenues. Il y a eu ce moment où FFG avait tapé en masse sur les buffers de nuée en augmentant par principe leur coût. Owlrunner en était sans doute la victime la plus visible et éloquente, mais Dre Arental et Serissu étaient des dommages collatéraux non négligeables. Même si je trouve la nuée racaille de M3A trop balèze dans son principe même, je suis très favorable à ce que ces pilotes redeviennent plus jouables et attends de voir si les racailles aligneront d'autres nuées, de Z95 ou que sais-je. Reste un dernier changement spécifique pour les petits socles racailles à mentionner,
et il porte sur l'officier Zuvio, pilote de remorqueur spatial de transfert quadrimateur. Ouais, bon, de quoi jumper, quoi. Il coûte un point de moins, passant à 29. Cela a pour conséquence que les quatre pilotes du châssis ont tous exactement le même coût, le générique comme les nommés. Pourquoi pas, cela donne plus de souplesse aux joueurs en termes de list building. Les racailles et scélérats sont la faction la plus richement dotée en socles moyens et gros, il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ces châssis aussi connaissent des évolutions. Bien sûr, celle qui a le plus retenu l'attention est pourtant la plus discrète sur les PDF. Les emplacements d'amélioration changent pour Boba Fett, mais Boba Fett seulement, parmi les pilotes de patrouilleurs de classe Firespray. Seul parmi les siens, Boba perd son slot d'équipage en échange d'un emplacement de modification supplémentaire. Et c'est normal, il a plein de carbonite dans ses soutes, il n'y a pas la place pour un autostoppeur galactique. Bon, honnêtement, je n'ai pas l'impression que les vaisseaux disposant de deux emplacements de modification, par exemple le chasseur Kiraz dans la même faction, en fassent si souvent usage. Ce qui compte, c'est la perte de l'emplacement d'équipage. Exit Maul en priorité. Exeunt aussi, si jamais, triple zéro ou un copilote perspicace, mettons. Boba Fett est un excellent pilote, et sa capacité spéciale est une des plus puissantes du jeu. Avec en plus de la force ou un double focus, etc., il était tout bonnement imbuvable. Cet ajustement très ciblé est donc tout à fait le bienvenu, d'autant qu'en procédant de la sorte, on peut éviter de rendre Boba plus cher, lui qu'il est déjà pas mal, mais à bon droit, il reste extrêmement puissant. Sinon, les 4 pilotes de l'appareil de poursuite de classe Lancer coûtent tous un point de moins désormais. Bonne chose, j'aime beaucoup ce vaisseau, même s'il demeure relativement peu joué. Ceci dit, on croise bien de temps en temps Ketsu Onyo ou Asajj Ventress, et je serais tout à fait favorable à ce qu'on les voit davantage. Il y a pas mal de choses à noter concernant les améliorations Rakai, et notamment l'arrivée de 4 nouvelles cartes, avec l'extension Slave One de Jango Fett, censément séparatiste, mais dont une bonne part du contenu intéresse aussi les scum. L'artilleur Boba Fett fait ainsi son apparition à 6 points d'escadron, les équipages Jango Fett et Zamwezel à 7 et 4 points respectivement, et le nouveau titre Slave One, en fait un titre alternatif au Slave One purement racaille, coûte 3 points d'escadron. Ces coûts me paraissent assez justes de manière générale, mais je m'attarderai davantage sur la question en traitant des séparatistes, puis en faisant la chronique complète de l'extension, quand je pourrai mettre la main dessus. En dehors de ces nouveautés, pas mal d'équipages évoluent. Cad Bane et Ketsu Onyo coûtent un point de moins, passant respectivement à 3 et 4. Le premier m'intéresse tout particulièrement dans cette mise à jour qui met en avant les bombes. Tandis que Lando Calrissian, Latradzi et donc Maul coûtent 2 points de moins chacun. Cela situe ce dernier à 10 points d'escadron, il n'a plus à payer la taxe Boba et ça le rend d'autant plus intéressant. On notera aussi qu'un artilleur, Bosk, coûte désormais 1 point de moins, passant à 8. Ce n'est pas le plus enthousiasmant de sa catégorie, loin de là. Les ajustements les plus significatifs portent en fait sur les titres, très nombreux dans la faction. Nous avions déjà vu en traitant des rebelles que Moldicro coûte maintenant 2 points de moins, passant à 16. C'est tout bénef pour les cargos légers HWK 290. Virago pour les plateformes d'attaque de classe Star Viper, mais on peut écourter en disant pour Guri, coûte également un point de moins, ok. Mais en ce qui concerne Firespray, l'ancien titre Slave One, toujours jouable donc, coûte un point de plus, passant à 6, et il avait déjà drastiquement augmenté en juillet. Ça se tient, il offre une capacité très puissante, bien plus que celle du nouveau titre, et demeure intéressant à ce coup. Maintenant, c'est encore un autre moyen de cibler personnellement Boba Fett, sans doute, mais il l'a bien cherché. Enfin, Andrasta coûte un point de moins, repassant à 2 points d'escadron, et Manazamin tout spécialement est content, lui qui a plein de bombes et de mines à bazarder dans cette mise à jour très axée engin. Il y a pas mal de changements notables concernant le format hyperespace. Tout d'abord, l'éléphant dans la room, tous les pilotes nommés de Firespray sont désormais illégaux. Traduction, personne ne t'aime Boba, tout le monde te déteste! Du côté des nerfs, on doit aussi mentionner que les pilotes génériques de Fang sont tous illégaux eux aussi, et, moins crucial, les pilotes nommés de chasseurs de tête Z95 à F4. Mais d'autres pilotes, voire châssis, deviennent légaux. Notamment, tous les pilotes du vaisseau de secours peuvent désormais être joués en hyperespace. Pour aller avec, tous les pilotes nommés de YT-1300 sont jouables, même si le seul changement ici est l'arrivée de Lando Calrissian. Du côté des Fang, le vieux T-Rock, qui avait très longtemps été confiné au vestiaire, fait son retour.
Enfin, le pirate binaire est désormais jouable, ce qui fait que tous les Z95 génériques sont légaux. En matière d'amélioration, les 4 nouvelles cartes du Save One de Jango Fett, Boba Fett en artilleur, Jango Fett et Zamuezel pour les équipages et le nouveau titre Save One, sont toutes légales. Deviennent légaux également l'artilleur Greedo, qu'on a pas mal vu en étendue ces derniers temps, j'ai l'impression, l'astromech chelou R5TK qui permet de tirer sur ses alliés, et les équipages L337, Kira et Tobias Beckett, ce qui me plaît bien et ils fonctionnent bien ensemble. En revanche, deviennent illégaux l'artilleur Dengar, lui aussi croisé régulièrement ces derniers mois, les équipages 000 et Maul, ce qui était moins crucial avec Boba perdant son slot d'équipage, mais bon, l'ancien titre Save One, personne ne t'aime Boba, t'es vraiment un connard! Et attention, le talent intrépide. Fenro et ses copains Fang nommés sont très tristes, même s'ils sont jouables sans ce talent, mais tout de même. Pour ce qui est des mots-clés, on a pas mal de variétés, même si peu d'entre eux produisent des effets de jeu à ce jour. Sauf erreur, uniquement Darkseid pour la seule Asajj Ventress et Tai pour tous les Tai de la guilde minière. On trouve autrement divers mots-clés de châssis, YT-1300, Y-Wing, et peut-être surtout Fighter, qui s'applique au cargo léger HWK-290, au cargo léger YT-1300 personnalisé et au cargo léger YV-666. Autrement, outre quelques droïdes, les chasseurs d'assaut agresseurs, mais aussi Forlom, le drone automatique du vaisseau de secours, Gargor VM pour l'intercepteur M3A, Guri à bord de son Star Viper et toutes les occurrences de L337, nous avons des mots-clés plus fluffy et très intrigants, Bounty Hunter pour, eh bien, pas mal de monde, et Mandalorian pour tous les pilotes de Fang, mais aussi Sabine Wren en tant que pilote de Lancer. On verra bien si cela aura des conséquences techniques un jour. Bilan plutôt favorable pour les racailles et scélérats. Certes, Boba Fett est un peu moins menaçant désormais, mais c'est tant mieux. Et les buffs du Fang tout spécialement sont appréciables. J'espère aussi que le Kiraz et le Lancer bénéficieront de ces ajustements de coups, et peut-être Series Suedre Arental autoriseront-elles de nouvelles approches de nuée racaille. Le bilan est plus contrasté en hyperespace, je suppose. Ici, le Firespray a pris cher, et pas seulement Boba, et l'absence des Fang génériques, plus l'interdiction d'Intrépide, sont également à prendre en compte. Mais il demeure suffisamment de choses puissantes et ou intrigantes et stimulantes pour que les racailles s'amusent bien en hyperespace. La situation de la faction me paraît très très différente de celle de l'Empire Galactique ici. Prochaine faction, on passe à la trilogie du Réveil de la Force, la Résistance. En attendant, et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, merci beaucoup. Vous disposez de plusieurs moyens pour ce faire, parmi lesquels les abonnements, les commentaires, les pouces, les partages. Tout cela est bienvenu et je vous en remercie. Je vous suggère aussi d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche parce que les abonnements n'y suffisent pas. Bien voilà, merci pour tout ça et à très vite pour la suite.